ruiner l'économie d'un pays, armer les opposants d'un président élu. La France est capable de faire encore plus pour défendre ses intérêts. Au Cameroun, c'est d'un assassinat politique dont elle va se rendre complice. Rendez-vous dans un café avec un certain William Bechtel, qu'il croit être un journaliste. Il s'agit en fait d'un membre des services secrets français. Après le rendez-vous, Félix Mounier s'effondre, terrassé par un mal mystérieux dont il ne se relèvera pas. La Suisse prouvera qu'il a succombé à une dose de thallium que William Bechtel a versée dans sa tasse de café. William Bechtel. Maurice Delaunay ne prononce pas son nom, mais reconnaît la complicité de la France. C'est quelqu'un qui avait été payé par le président Hélio, mais avec notre accord, évidemment. Nous-mêmes, nous étions très hostiles à Moumier, qui était violemment anti-français. Vous dites « avec notre accord ». Est-ce que ça signifie que la France peut être complice d'un homicide? Qu'en pensez-vous du passé de la France? Qu'en pensez-vous de Richelieu? Hein? Il y a des moments, vous voyez, si vous voulez, où la politique passe avant la morale, hein? À mon avis.